une autre chose que je voulais vous dire, c'est que le climat joue beaucoup sur le teint. Beaucoup. Ne vous laissez pas souvent croire que oh, j'utilise ci, j'utilise ça. C'est ça qui m'a donné ce teint. Par exemple, moi, quand il fait froid, ma peau a tendance à être plus claire. Et quand il fait plus chaud, j'assombris. C'est pour ça que quand moi je suis au Cameroun, par exemple, je suis très foncée. Donc parfois les zones tropicales, c'est comme ça. Beaucoup de personnes qui sont dans les zones tropicales ont ce même problème. Les gens qui vivent en Occident, par exemple, vous laissez juste parfois la période passer et puis voilà, vous allez récupérer votre teint. Ça ne sert à rien de vous acharner sur votre peau simplement parce que vous n'avez pas le teint que vous voulez à ce moment-là. Ça peut arriver. Parfois, c'est la saison qui fait ça. Donc, parfois, ce n'est pas toujours une histoire de « j'ai utilisé ci, je dois utiliser ça ». Non, pas toujours. Ce que j'essaye de dire, hein, c'est que si vous êtes foncé de nature, si vous avez une peau foncée de nature, ça va prendre de l'éclat, mais ça ne veut pas dire que vous allez devenir clair de peau, non. Si vous êtes de peau claire naturellement, votre peau va avoir tendance parfois, ça dépend des peaux, hein, ce n'est pas automatique, mais votre peau va tendance à prendre de l'éclat quand il fait froid. Disons que pour certaines personnes, le froid fait ressortir le teint. Vous comprenez? Moi, je dirais ça plutôt comme ça. Parce que dire qu'on éclaircit ou bien, c'est comme si c'était l'éclaircissement de la peau. Non, ce n'est pas l'éclaircissement de la peau. Donc, quand il fait froid pour certaines personnes, le teint ressort. Mais quand il fait plus chaud, quand il y a beaucoup de soleil, parfois ça brûle et puis c'est pour ça que certaines personnes ont tendance à avoir la peau qui s'assombrit. Voilà. Bonjour! Vous savez, dans la vie, chacun a son péché mignon, n'est-ce pas? Il y en a qui aiment les sacs, il y en a qui aiment les laits de beauté, il y en a qui aiment les vêtements, il y en a qui aiment les chaussures. Et moi, je vais vous montrer c'est quoi mon péché mignon. C'est que moi, j'aime le plus. Voilà. Moi, en tout cas, je ne vous dis rien. Je vais vous montrer ce qui peut me tuer. Donc, mon péché mignon, c'est le parfum. Et ça, c'est mon premier parfum. En fait, c'est le Blooming Bouquet. Blooming Bouquet. Voilà. C'est celui que j'aime. Je cherche encore mon deuxième parfum et je vais vous montrer c'est lequel. Versace. I'm looking for Versace. Yeah. Ah, voilà. Donc, mon deuxième, c'est le Versace. Mm-hmm. This doesn't really look la crema like también viene todo por 115, pero con el 15% te salen $100, malutazo. Próxima semana sube precio regular. C'est pas vraiment celui que je veux. Celui que je veux, c'est dans un truc un peu comme ça. Maybe I would take. It smells like paper. Oh my god, that's mommy. Yeah, there you go. What a winner. On va casser les choses d'autrui ici maintenant. Apporte l'autre papier. Apporte les papiers. On va essayer. Ce qui est bien chez les gens, c'est ce que tu peux fumer comme tu veux. Tu n'achètes même rien. Tu peux venir faire ta mouane ici. Là. Tu dis que tu as acheté les choses alors que tu n'as rien acheté. Non. Ça sent comme la transpiration. Ah, viens. Vous savez quand... Vraiment, ça sent comme la transpiration. C'est même qu'elle l'a pas fait ça. Ça pique les yeux, hein. Non. Quel est le parfum que j'ai pulvérisé là? C'était ça, hein? Oui, ça sentait comme la pierre. C'est ça, non? Mm-hmm. C'est pas pour faire la contre publicité, mais Jimmy Choo, c'est quel Jimmy Choo là? Un autre genre de Jimmy Choo là, ça sent vraiment comme la contre. Bon, peut-être qu'à défaut, je vais prendre. Oui, j'aime bien, j'adore. Oh my god! Ok, on va m'arrêter ici. Hein. On fait que casser les choses des gens. Oui, mais j'aime, j'adore, mais bon. J'adore, c'est assez.
C'est bien, mais bon, tu vois. J'adore, tu vas d'abord m'excuser. Je t'aime bien, mais tu es trop vieux. Ah, non. Ah, peut-être gal, hein. Attends. Finalement, elle est en train de m'embrouiller, hein, parce que j'aime les trucs que moi j'aime là, je ne vois même pas, ça m'énerve. Attends, je sais que je suis ici. Ok, là, demain. Yes. Do you have seat? Well, if you go around, then I'll be with you right now. Okay. You go around there. Okay. Mm-hmm. Oh, là, je vois déjà seat. Là, je vois déjà seat. Mm-hmm. Voilà mon deuxième. Seat de Lancôme. Rien à dire. Mm-hmm. Mm. Ça sent bon, n'est-ce pas? Oui. Oh oui, ça sent bon. Je suis trop bête. J'appelle toujours ça si de Lancôme. Pourtant, c'est même pas un parfum de Lancôme, en fait. C'est le parfum de Armani. Giorgio Armani. Si. Voilà. Ça, c'est mon parfum. OK. Voilà. Donc, j'ai pas pu trouver... Donc, j'ai pas pu trouver mon... Le troisième, j'ai juste pris les deux que j'aime beaucoup. Et voilà. You're lucky because I didn't find my Versace. No, I'm not lucky. Well, the Versace, yeah. That's what I use. Yeah, I love that. It's not bright. Giorgio. Maybe it's a kind of version that don't come up anymore. I don't know. Yeah, because sometimes with the limited edition. Yeah, I think. They discontinued. And also, oh, I don't know if you have the... So do you want to join that and I would get... Yeah, you're going to be saving already with these fragrances. If you shop here a lot, it's kind of... Nobody wears Dior. This is from me. Yeah. And you want to smell it on me? I don't want to smell, man. Stop. It all smells the same. Yeah, the name perfume always smell like the same. Kind of. If you get me some samples. Yeah, I like this. Get off the Wait, let me just take it off. Come on. Stop. Il y a dans mon scie de, Armani et what is this? Blooming Bouquet de Dior. Bon, le reste c'est pour lui, il veut pas qu'on voit ses parfums. Donc on va respecter ça. Imagine if it wasn't. On va pas montrer ses parfums. Alright. Voilà. Wait. Yep. Yeah, yeah, you carry the bags. Donc, okay. Vous connaissez mon petit péché mignon. Il dit que je dois dire merci. Oh, so thank you. Oh, thank you. Have a good one. You too. Voilà. So thank you. Oh. My hand hurts. Oh, looks like the door is closed over here. So, where's Tahara? Our perfumes are here. Donc voilà, on a même fermé la boutique, non ça va. Bon allez, à la prochaine.